Les policiers qui rejoignent le privé ne doivent avoir aucune relation professionnelle avec leurs anciens collègues pendant 3 ans. Une obligation du code de déontologie des fonctionnaires. Mais certains semblent avoir une lecture très personnelle de ces règles. Bernard Squarcini était considéré comme le flic le mieux informé de France. Promu directeur du renseignement intérieur par Nicolas Sarkozy, il est écarté par François Hollande qui le nomme préfet hors cadre. Une mise au placard, comme il l'a expliqué il y a quelques mois sur une chaîne YouTube. J'ai choisi la fonction publique. On m'a interrompu dans ma carrière. Je le regrette. On m'a forcé à aller dans le privé. Le grand flic déchu rebondit vite et fonde sa société de sécurité privée. À l'époque, il ignore qu'il a été placé sur écoute dans le cadre d'une enquête sur le financement de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Vous allez entendre des conversations enregistrées entre mars et avril 2013 et découvrir les pratiques d'un policier soupçonné d'avoir violé les règles. Allô ? Bernard Squarcini appelle un proche. Comment tu vas ? J'ai créé ma boîte. Oh ben dis donc, c'est bien, mais tu vois, je pensais pas que tu aies pu rebondir aussi bien. Mais tu peux pas y rubis sur l'ongle, c'est des gros contrats, ça, donc, si tu veux. Putain, oui, c'est bon, ça. C'est pas mal, ça. Ouais, bah là, ça te fait une année complète, en plus. Ah ben ouais, ouais, putain, tu dois avoir un carnet d'adresse épouvantable. Ouais. Hein? Ouais, ouais. À l'époque, le plus gros client de Bernard Squarcini est le groupe LVMH. Le géant du luxe s'offre ses services pour une dizaine de milliers d'euros par mois. Bernard Squarcini, ancien et puissant patron de la DCRI, a été mis en examen pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. L'enquête porte sur ses activités depuis sa reconversion dans le privé. Bernard Squarcini est en effet soupçonné d'avoir profité de ses réseaux au sein de la police pour obtenir des informations sur des enquêtes en cours. Allô, allô? Oui, monsieur Squarcini? Oui. Oui, bonjour, ici Pauline Lietter, je travaille pour France 2, pour l'émission Complément d'enquête. Bernard Squarcini ne sait pas qu'il est enregistré. Excusez-moi, non, je ne répondrai pas à votre interview parce que il y a des procédures en cours et ça me desservirait. Voilà, mais moi je n'ai pas intégré une boîte où je suis salarié, je suis tout seul, je me démerde tout seul, donc ça n'a rien à voir avec les autres qui ont pantouflé ou autre. Ce que l'on me reproche à moi peut être reproché à tous les gens qui ont intégré des grands groupes. Et eux, on les emmerde pas, on cherche l'erreur. Bien sûr, c'est de l'influence et des réseaux. Mais bon, à bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. L'ancien préfet risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 1 million d'euros pour notamment trafic d'influence. L'instruction est toujours en cours. Sa société Kyrnos, dont il est alors l'unique salarié et actionnaire, affichait en 2015 un bénéfice de 512 000 euros. Depuis sa mise en examen, elle semble tourner au ralenti.